HB. Me escucha con Dion Piccolo. Loco, mira, no fui a la escuela. Les estoy dando para el pelo. Aunque a tu soldado ya le duela. Anoche con maleta por correr. Fuga la ventana del Manolo. Al tiempo más voy queriéndolo. El dinero también voy amándolo. Cuando ya te coja, vaya tela. Parecía como de novela. Ay, loco, no fui a la escuela. Pero sí que aprendí. Olega quiere comprar una casa, mamá. Lo soñaba cuando trepaba ventana. Fiesta a punto pase de la. Él lo guarda porque es el que lo gana. Y no pienses ni siquiera en mañana. A no ser que tú te vayas a caer en cana. Y si piensas en mañana. Vive rodeado de paredes y una ventana. Agradecido porque tengo una cena. Y calentito cuando quiero una cama. Y no envidio pa' que otro tenga fama. Hablan de lejos y de frente. Y tu padre facha me llamaría Mena. Y yo pago los impuestos por lo menos. Un racista que critica todos mis temas. Es porque su hija se enamoró de un nene. De una sociedad donde lo repelen. Y no quieren que tengamos el sonido. El miedo que abrirle a todos los ojos. Palabras que se quedaron en el olvido. Y seguimos progresando. Con fallo vamos aprendiendo. El dinero manejando. En lo malo estoy viviendo. No apoyo a partidos ni tampoco políticos. No apoyo tampoco a los que están en típico. Apoyo a mi colega que sí ha sido mágico. Que quiere comprarle a la mamá un ático. Soy de la clase obrera. Los que odian porque suben por más que no quieran. Los que no quieren que se queden con todo lo nuevo. Los que no dependemos del dinero de la cartera. Una jueza que ha sido más corrupta. Un abogado que te sale caro. Eso no puede hablar. Porque mañana puedes acabar en el paro. Es con dinero, te lo juro que si es poco. Rápido de la cárcel tú sales. Si no preguntas a las fiscales. Por un juicio cuánto te va a cobrar. Si no preguntarle a un juez cuánto te sale por tu hablar. La libertad por desgracia ahora puede tener precio. Y seguimos progresando. Con fallo vamos aprendiendo. El dinero manejando. En lo malo estoy viviendo. Salut à toutes et tous, merci de votre fidélité. On a encore un rendez-vous aujourd'hui pour ce nouveau match de foot. Commentaire, c'est moi, Hervé Matou, que vous allez retrouver. Ah oui, c'est pas très surprenant. À l'honneur aujourd'hui, cette nouvelle rencontre dans ce tournoi. La Saint-Etienne contre l'AC Ajaccio. Un match de coupe, à élimination directe, on aime ça, hein. Il n'y a pas de calcul. Il faut un vainqueur, un vaincu à la fin. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Ouais, impeccable ce tacle, ce sera une touche. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Timothée Kolodziejczak. Il va pouvoir centrer. Et il va y aller. L'arbitre qui désigne le pénalty. Point de pénalty.
Les deux équipes qui sont à égalité, c'est un moment très important. Ouais, la faute, bien sûr, et le carton jaune. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. Transforme son penalty. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Mais l'arbitre préfère laisser l'avantage. Va-t-il parvenir à centrer? Mauvais dégagement, mal fait. Il y a de bout de pause. Ouais, Saint-Étienne, peut-être un bon... Ah oui, le tir. Et le but! On voit cette frappe fatale, magnifique. On va l'admirer à nouveau sur ce ralenti. Déclenché en une fraction de seconde. Exécuté à la perfection. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Oh, c'est repoussé par le poteau. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Oui, le centre peut-être. Il a gagné son duel dans la surface. Ah, oui. La frappe. Allez, plus qu'un but et ce sera l'égalisation. Il faut y croire. On voit ensemble hein, cette séquence de préparation là qui va amener le but. Et ensuite le tir tendu. Le gardien qui a un temps de retard. Et ça fait but. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1. Il y a peu de pause. Le défenseur qui s'est fait passer sur cette action. Ah oui, le but pour l'AS Saint-Étienne. On va voir tout ça. Il élimine bien son adversaire direct. Et ensuite, c'est le talent hein, qui fait le reste. Et c'est quand même son excellent placement. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Un ballon intercepté, mal donné, bien défendu. Voilà, passe complètement manquée, c'est cadeau. Gaëtan Conté. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Oh, la puissance de la frappe, mais alors pour la précision, c'était pour Thomas Pesquet ce ballon, non? Boudbouz. Denis Banga. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Il repique dans l'axe. Il cherche des solutions là. Pas de problème pour le gardien. Et bien tiré ce corner. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Ah, c'est une faute. Il a mal maîtrisé son geste. Il n'y a pas d'intensité dans le jeu de cette équipe. Et forcément, ça va donner des idées à l'adversaire. Ouais, cette fois, c'est dans les buts qu'on a eu le dernier mot.
Ça ne sera pas tout de suite pour le doublé. Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Un corner qui ne donnera rien. Avantage laissé à Saint-Étienne. Diallo. Ah non, le ballon est perdu. Bon ballon d'attaque pour les Stéphanois. Oh, le bon ballon! La frappe! Oh, ça passe pas loin du tout, mais c'était pas cadré. Il gagne quelques mètres. Et ce centre qui est contré. Ouais, c'est dégagé. Et ce sera un corner. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ouais, le ballon a été bien maîtrisé par le gardien. Non, elle a été interceptée cette passe. Ça profite à Saint-Étienne. L'arbitre fait signe de jouer. Notre Bose. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Ah, il est à l'interception. Gaëtan Conté. On s'approche du but adverse. Attention à la frappe. Oh, quelle occasion, mais quelle occasion à bout portant. Pourquoi la jouer si forte cette balle? Oui, bien fait ça. Oh, il y a beaucoup à jouer sur ce contre. On va pouvoir centrer. Oh, mauvaise relance. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Allez, 2 minutes de temps additionnel. C'était pas beaucoup. Le ballon qui file en touche. Ouais, quel but! Oh, magnifique! On voit cette frappe en pivot. C'est très bien fait, hein. C'est très difficile. Bravo. Le match est déjà plié à la mi-temps, hein. C'est mieux plié que dans une armoire. Et l'arbitre qui indique le chemin des vestiaires. Il va y aller. Coup d'envoi de la seconde période avec les Stéphanois qui mènent au score. Ouais, le tacle. Gaëtan Conté. Ballon perdu. Oh, il s'est pas laissé surprendre, le gardien. Autant de passivité, c'est...
assez risqué. Ouais, manifestement, son premier carton jaune ne lui a pas servi de leçon. On revoit cette intervention défensive irrégulière. Et le dernier mot pour le gardien. Allez, une place là pour une contre-attaque. Et finalement, elle ne donnera rien cette contre-attaque. Ballon récupéré dans la moitié de terrain adverse. Il glisse ce ballon en profondeur. Non, sans problème pour le gardien. Wahbi Khazri. Ah non, ballon perdu. Ouais, elle gagne son duel. C'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. On revient à la faute, ça n'a pas profité. Hein. L'arbitre a le droit de faire ça. On va assister à un changement dans cette équipe. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Et le ballon qui est revenu à l'équipe adverse. La contre-attaque est terminée. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur. Vraiment très bien joué. Gaëtan Conté. Petit aveu d'impuissance hein, quand même de cette frappe très lointaine. Allez, bien s'appliquer. Bien s'appliquer sur ce corner. Alors sur le banc de touche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Ouais, bien tiré ce corner. Et récupéré dans le camp de l'adversaire. Ce sera donc un corner. Ah, il est bien parti ce corner. Le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Un attaquant qui est redescendu pour venir récupérer ce ballon. Il cherche des solutions là. Et corner encore, ça pousse pas mal en ce moment. Il cherche le point de pénalty. C'est un petit peu brouillon en défense, hein. Il est mal dégagé ce ballon. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Un danger qui se précise peut-être. Oh, quel dommage de faire une contre-attaque aussi fabuleuse et de la terminer ainsi. Avec une conclusion totalement ratée. Coup d'œil. On gagne du terrain. Gaëtan Conté. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Ouais, c'est sorti, ce sera à nouveau un corner. Le corner en direction du point de pénalty. Mauvaise relance.
Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Hors-jeu indique l'arbitre. À mon avis, de très peu, hein. Ah, très bonne anticipation sur ce ballon. Ouais, superbe ce geste défensif. Avantage laissé à Saint-Étienne. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Et ce ballon qui traîne. Oh, la faute, oui, il est allé trop fort. Il risque de prendre un jaune. Il va être remplacé. C'est vrai qu'il jouait avec une menace au-dessus de la tête, hein, puisqu'il a pris un jaune tout à l'heure. Il avance balle au pied. Il frappe. Il est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire. Il reste exactement 5 minutes à jouer dans cette rencontre. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Il faut trouver une option disponible. Oh, le but ! On revoit ce ballon millimétré, imparable, qui touche la barre avant d'entrer. 4 buts à 2, nouvelle évolution du score, on se régale. L'action qui se poursuit. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. On jouera 3 minutes en plus, 3 minutes de temps additionnel. Ouais, il a le temps de centrer. Ouais, le gardien qui s'en sort bien. Ça peut devenir dangereux. Ah, c'est une faute, il a mal maîtrisé son geste. Il va chercher un partenaire loin devant. La fin du match à l'instant même et donc la qualification. Les joueurs qui vont pouvoir continuer leur route. L'équipe qui aura mené cette confrontation sereinement, qui aura bien géré et qui passe tranquille. On a tout de suite senti qu'il était dans un bon jour et il a joué un grand rôle dans cette victoire. Ah, c'est l'un des joueurs, sinon le joueur qui a tiré l'équipe vers le haut. Il a marqué deux fois, bien sûr. Il a posé énormément de problèmes à l'adversaire. L'un des acteurs très importants de cette victoire.